J'aime très bien cette citation de Matthias Alexander, voilà, qui dit, je cite, les gens ne décident pas de leur futur. Ils choisissent des habitudes et leurs habitudes décident de leur futur. Vous savez, il faut lire entre les lignes pour pouvoir vraiment dénicher ça, pour pouvoir vraiment comprendre cela. Les gens ne décident pas de leur futur. Ils choisissent des habitudes et leurs habitudes décident de leur futur. C'était Matthias Alexander. J'espère que vous connaissez ce très grand philosophe, ce très grand motivateur. Voilà donc les gars, je viens ce matin partager le projet Forstech BUSD. Forstech BUSD, voilà donc. Mais avant cela, je tiens à remercier toute la communauté. Voilà, nous sommes déjà à plus de bientôt 11 000 abonnés. Voilà, merci encore à vous. Voilà, merci encore pour tout le soutien que vous accordez à la chaîne Entrepreneur Web 3.0, aux multiples dons que vous faites. Voilà, parce que régulièrement, everyday, nous avons des dons qui arrivent en USDT, en Tron. Mais la plupart des dons arrivent en Tron. Voilà, merci encore. En BTC, en Ether et en Yaship. Voilà, donc merci encore à tous ceux-là qui effectuent ces dons-là. Donc, les gars, sachez très bien, pour ceux qui ne savent pas, que vous êtes comme ça connectés sur la chaîne Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple, pour le peuple et par le peuple. Cette chaîne qui sera toujours plus proche de vous, qui vous partagera toujours des projets émergents, des projets intéressants, des projets qui vous apporteront toujours de la valeur. Sachez qu'ici, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de projets web, nous parlons de métavers, nous parlons d'NFT, nous parlons comme ça d'investissement immobilier. Car aujourd'hui, je peux investir dans l'immobilier sans te déplacer de chez toi et gagner de l'argent tous les mois. Voilà, nous avons un, j'ai un concept sur lequel j'ai investi, voilà, qui me génère des fonds tous les mois. Donc, si vous êtes intéressé, voilà, dites-moi. Je ferai une vidéo là-dessus à votre demande. Voilà. Sachez qu'au quotidien, nous faisons ce qu'on appelle l'analyse technique et fondamentale des projets crypto. C'est très, très important. Voilà. Parce que pour tout projet, il faut l'analyser. Il faut l'analyser sur le plan technique et fondamental. Voilà. Et n'oublions pas que l'écosystème des crypto-monnaies est soumis à une volatilité extrême. Je dis bien une volatilité extrême. Voilà. Et d'où les risques de perdre beaucoup d'argent sont vraiment élevés. Mais lorsque tu es formé, lorsque tu as la matière grise qu'il faut, tu sais comment être rentable sur les différents marchés. Voilà. Donc, les gars, c'est très très important de se former car l'information nuit à celui qui ne l'a pas. L'information nuit à celui qui ne l'a pas. Il ne faut pas penser à l'objectif à atteindre. Il faut seulement penser à avancer. C'est aussi à force d'avancer qu'on a ou qu'on double ses objectifs sans même s'apercevoir. Alors, entrons dans le vif du sujet, voilà, parce qu'il est question de vous montrer comment gagner de l'argent sur Forsage, BUSD, la plateforme de minage, pas de minage, je vais dire la plateforme de crowdfunding, voilà, donc du financement participatif. Donc, je vais d'abord encore rappeler ce que c'est que Forsage. Donc, Forsage est un contrat intelligent, un contrat intelligent, voilà, donc un contrat intelligent qui. Attends un instant, j'avais une information ici que je vais partager avec vous. Un instant, voilà. Attention. Donc, je voulais plutôt dire que Forsage est une plateforme construite sur une chaîne de contrats intelligents. Voilà, cela signifie que la politique a été que la politique a été liée par un codage, voilà, par un codage et ne peut être modifiée ou altérée. Parce que sur la blockchain, lorsque un code est écrit, il ne peut plus être modifié. Parce que s'il faut modifier cela, il faut corrompre tout le système et c'est pas possible. Voilà donc. Et par la suite, cela signifie tout simplement que personne ne contrôle l'argent qui circule dans le système. Voilà. Et qu'il n'y a pas de tiers qui manipule les fonds. Voilà, c'est ça. Parce que tous les fonds sont gérés par la blockchain.
Voilà. Donc, dans cette vidéo, il est question alors de vous montrer alors comment gagner de l'argent. Voilà, j'avais déjà expliqué les fondamentaux de ce projet. Voilà. Ici, il y a trois. Il y a comment gagner de l'argent. Comment gagner de l'argent alors sur ce projet-ci. Donc, après avoir expliqué en quoi consiste Forsage BUSD dans des précédentes vidéos, voilà, il faut dire qu'il y a trois manières principales de gagner de l'argent. Bon, la première manière ici, je vais prendre mon crayon. Écrit. Première manière ici, c'est le référencement. Le référencement. Voilà, le référencement. Donc, vous pouvez inviter des amis à rejoindre la plateforme avec votre lien. Avec votre lien de référencement et être payé instantanément chaque fois pour chaque niveau. Voilà. Pour chaque niveau enregistré et acheté. Voilà. Parce que ici, pour que ton compte soit actif, tu dois t'enregistrer et acheter. Donc, je vais vous montrer un exemple tout de suite. Je vais aller rapidement dans mon wallet ici. On est encore à l'exemple 1. Je vais aller dans mon wallet ici. Voilà, je suis dans Trust Wallet ici. Dans Trust Wallet ici. Voilà, je me logue ici. Je suis logué. OK, voilà. Ici, je vais me connecter sur ce compte ici. Attends, on va voir sur ce compte. Voilà. Voici un compte de Forsage ici, Donc, actuellement, voici où vous pouvez retrouver votre lien de référencement. Vous pouvez couper votre lien de référencement ici, Personal Link, que vous partagez comme ça à l'échelle internationale. Bon, celui-ci, dans ce compte ici, il y a eu un partenaire et voici le profit. Donc, je vais vous expliquer les différents profits dans une prochaine vidéo parce qu'elle est vraiment très très longue. Voilà, donc ça c'est la première façon de gagner l'argent, pas le référencement. C'est-à-dire vous partagez juste votre lien de référencement à des tiers. Voilà, ça c'est la première façon. Maintenant, la deuxième façon ici, là, c'est voilà, c'est lorsque les deux sont activés automatiquement. Lorsque X3 et X4 sont activés automatiquement. Voilà. Ici, X, Gold et X. X ne sont pas encore actifs. Voilà. Je vais vous montrer notre compte ici où c'est actif. Voilà. Voici un compte ici où les quatre programmes sont actifs. Voilà. Maintenant, la deuxième phase ici, la deuxième façon de gagner ici, ce sont les retombées. Les retombées ici sont les bonus, sont des bonus distribués aux membres de l'équipe lorsqu'il y a beaucoup de recul, lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui entrent, voilà, qui s'intéressent au projet et aux nouveaux prospects ou de nouveaux prospects qui ont comme ça rejoint l'équipe. Le réseau. Voilà. En d'autres termes, une équipe qui ne parraine personne ou n'apporte pas de nouvelles personnes ne peut pas générer de retombées. Voilà, donc c'est un système aussi comme ça là. Donc il faut qu'il y ait du, il faut qu'il y ait du, il faut que les gens s'y intéressent au projet. Voilà. Donc c'est pourquoi il est toujours conseillé de rejoindre et de travailler avec des stars actifs de l'équipe. Voilà, donc ça c'est clair. Voilà, maintenant, en troisième lieu, maintenant, ce sont des débordements. C'est ce qu'on appelle troisième. Maintenant, troisième, je vais changer la couleur. Troisième, maintenant, c'est ce qu'on appelle les débordements. Les débordements ici. Débordements. Voilà, débordements. Alors, les débordements ici sont des bonus que vous obtiendrez lorsque quelqu'un a gagné un cycle. Un cycle. À un niveau ou refuse de passer à un niveau suivant. Lorsque cela se produit, la personne qui refuse de mettre à niveau manque son profit et il va au upline, au-dessus de ci-dessus. Voilà. En tant que débordement. Voilà.
Donc voilà à peu près expliquer comment gagner de l'argent. Il y a trois façons de gagner de l'argent ici. Donc un, pas de référencement, c'est-à-dire tu t'inscris, mais tu n'es pas obligé. Hein. Tu n'es pas obligé. Donc tu peux juste activer tes quatre positions et tu attends. Mais d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, c'est en ce moment où tu vas faire ce qu'on appelle le marketing de réseau. Tu vas faire le réseautage. Tu vas inviter des personnes à rejoindre. Et quand ils vont inviter à rejoindre, sur la première ligne, tu auras comme ça 5 $. Et par la suite, maintenant, tu auras ce qu'on appelle les retombées. Après les retombées, tu as ce qu'on appelle les débordements. Voilà. Donc, voilà comme ça, expliquer ce projet-ci. Donc, si vous avez d'autres questions ou d'autres idées, voilà.